Des instruments de musique, il y en a à vendre sur le Bon Coin. Depuis 10 ans, à Cluny, jeunes et moins jeunes viennent apprendre à fabriquer des instruments à cordes, des guitares, des mandolines ou encore des bouzoukis. Dans ce centre de formation créé par Pascal Kranga, facteur d'instruments internationalement renommés, ils viennent soit pour acquérir les bases d'un futur métier, soit tout simplement par passion. C'est en France le seul lieu du genre. Michel Gillot, Anthony Borloo. Du plafond descendent guitare, bouzouki et mandoline. L'atmosphère est à la fois détendue et studieuse. C'est le genre d'endroit qui donne tout de suite envie de s'y mettre, fabriquer soi-même son instrument à cordes. J'ai jamais rien fait de mes 10 doigts et Pascal, montre-moi que je suis capable de faire quelque chose de mes 10 doigts. Vous avez bien entendu, posséder un grand talent manuel n'est pas un prérequis pour venir ici. Nathalie est commerciale pour un négociant en vin de Mercurey et elle joue de la mandoline en amatrice. Ici, elle en fabrique. Et pourtant... J'avais jamais fait de bricolage, donc c'est vrai qu'au départ c'était un petit peu un handicap, mais bon, avec le professeur en fait, on s'y met facilement. Mais non, j'étais pas du tout bricoleuse au départ, non. Quand j'étais lycéenne, j'ai hésité entre intégrer l'école de lutherie de Mirecourt ou poursuivre des études. Et, mais bon, comme je ne jouais pas d'instrument à l'époque, parce que ça a toujours été ma passion, en fait, la lutherie. Mais comme je ne jouais pas d'instrument, j'ai hésité. Donc j'ai suivi des études à l'université. Et donc ça, c'est un vieux rêve qui est revenu récemment. Ce rêve s'est matérialisé en la personne du maître des lieux. Pascal Kranga est un luthier réputé. Son atelier est labellisé « Entreprise du patrimoine vivant ». En France, environ 2000 artisans ont été ainsi repérés par les pouvoirs publics comme possédant un savoir-faire rare. Cela signifie-t-il qu'on facilite la transmission de ces savoir-faire ? Pas du tout. J'étais obligé d'arrêter mon atelier pour créer cette école, pour pouvoir transmettre mes savoirs en dehors de, complètement de mon atelier. Quoi. Et parce que je n'ai aucun moyen de faire autrement. C'est-à-dire qu'on devient des objets de musée, on nous met sous cloche, on dit « Monsieur, vous détenez un savoir-faire rare, ok, d'accord, mais qu'est-ce que je fais pour le transmettre ?» Ben, on ne sait pas. Parce qu'en plus, nous, le gros problème qu'on a, c'est que les diplômes n'existent pas comme métier. Mais est-ce que pour autant, il faut les laisser disparaître ? En tout cas, cette question qui reste en suspens n'enlève rien au charme de cet endroit. Ici, pour moi, c'est un lieu magique parce que justement, là, ce qui est primordial ici, c'est la rencontre. La rencontre à tout niveau du personne, des savoir-faire, du travail, des instruments. Et là, on a toujours quelque chose de fantastique qui se passe ici.